L'autre jour, je suis allé au restaurant avec mes cousines et nous avons mangé dedans. Voilà, un restaurant. Et pour la petite histoire, dans ce restaurant-là, avant, celui-là, ça a été une crêperie. Et encore avant, c'était une pizza, une pizzeria. Et encore bien avant, c'était un marchand de tabac. Marchand de tabac, un bistrot, un café. Et il était tenu à l'époque par un certain Constant Bonfillet. Et avant, il y a eu un maréchal Ferrand, et c'était le même. Maréchal Ferrand, l'un des derniers maréchals Ferrand de Paris, qui après s'est devenu un marchand de tabac. Et il est même décédé dans ce restaurant-là, en descendant l'escalier. Il a survécu à la guerre, Première Guerre mondiale, mais pas là. C'est ironique, enfin ou pas. Alors, qu'est-ce que je pense de ce restaurant? Alors, j'ai mangé une pizza. Pas exceptionnel. Je pense que. Voilà. Alors, le service, sympa, long. Il faut attendre, il faut réclamer même. Le serveur était plutôt sympa. Lent, mais sympa. La pizza était plutôt moyenne. Rien d'exceptionnel. Et j'ai pris une tarte tatin. Même mon père, elle fait mieux que ça. J'avais l'impression qu'il trouvait que les pommes dégoulinaient sur la tarte. Il y avait de la glace, il y avait une boule de glace. C'était bien présenté, mais pas exceptionnel. Bon, j'ai fini cette critique qui n'était pas forcément savoureuse. Je vous remercie de nous avoir regardé et je vous dis bon appétit. Et rendez-vous pour une prochaine critique. Très bien.